Salut les amis, ici Chris, comment allez-vous? Moi ça va bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un coffret Pokémon Go, Noix de Coco d'Alola V. C'est le seul coffret que j'ai en ma possession pour le moment, en espérant en avoir d'autres. De toute façon, c'est assez facile à trouver normalement. Une présentation rapide, donc Pokémon Go, c'est écrit en relief. La Pokéball est en relief aussi. Ici, c'est en relief. Ici, on peut voir certainement, c'est en relief. On voit bien là. Ouais. Donc, Noix de Coco ici. Noix de Coco est en relief aussi. On voit. Donc, voilà. Tout ça, c'est en relief. Même la Pokéball ici. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, Niantic. La société qui fait Pokémon Go à la base, qui a fait un partenariat avec la société Pokémon, avec la Pokémon Company. Donc on va s'ouvrir ça en espérant avoir de très belles cartes. Ouvert. Le coffret, il est fin. Il est plus fin que ceux d'habitude, il me semble. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez lire, à faire pause. Voilà. Ah oui, et à l'intérieur, ils ont fait comme dans le coffret célébration de Zacian. Ils ont décoré le fond. Donc, ils ont fait un petit paysage de Pokémon Go, si vous avez déjà joué, quand vous capturez un Pokémon, c'est l'image qu'on a généralement sur l'application. Donc, nous avons une carte promotionnelle de Noix de Coco, c'est la SWSH 225. Je vais vous la montrer de plus près. Retiré, donc Noix de Coco, très jolie carte. Le cadrage fait toujours défaut. Et donc nous avons la même en Jumbobo. Tac, tac, je vais zoomer un peu. Voilà. Bon, ça c'est le petit feuillet qui est avec, avec les codes de Pokémon Go. Vu que je joue à Pokémon Go, j'ai besoin des codes. Désolé pour vous. Et donc nous avons les 4 boosters. Avec tous la même illustration. Donc on peut pas dire oh, tiens je vais mettre un tel, je vais voir le premier, patati patata. Là, il n'y en a pas le choix, c'est le même visuel. Donc on va commencer par ce booster. Ça va, il s'ouvre assez facilement. Et c'est pareil, il n'y a pas d'histoire de code. Hein. On peut pas se spoiler. Donc le code pour vous les amis, toujours un code sur deux et c'est parti. 1 2 3 4 avec une énergie plante, non énergie feu, une énergie feu. Et oui, et c'est aussi une petite série, il n'y a que 78 cartes. Je vais zoomer encore. Il n'y a que 78 cartes dans dans cette extension. Donc, Déflaisant, Super Bonbon, Camerupt, Meltan, Carapuce, Colombo, le petit Salamèche
Evoli en mode virtuel. Nous avons en rare Holo Reverse de l'Euphorie. Et on termine avec une rare holographique Samurai. Donc dans cette expansion, on est sûr d'avoir une carte holo au moins dans chaque booster, s'il n'y a pas une carte ultra rare. Hop. Pour l'instant, rien d'exceptionnel. Alors, deuxième booster qui s'ouvre mal. Alors, je retire le code. Et c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Avec une énergie foudre. Non, énergie métal. Énergie métal. Capitaine d'équipe blanche. Solo Rock. Incubateur d'œufs. Méton. Salamèche. Cap humain. Bulle bizarre. Nous avons pois chichon. Nous avons en peu commune reverse Migalos et on termine avec une rare holographique de Léviator. Même si on voit que ça bouge. Donc pour l'instant, c'est pas foufou, hein. Espérons avoir carte ultra rare au moins. Allez, avant-dernier booster pour cette ouverture. Le code pour vous, les amis. 1, 2, 3, 4. Avec une énergie haut. Yes, ça mérite des pouces bleus, ça. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus parce que j'ai trouvé l'énergie. Le Pokéstop. Steelix. Xatu. Magikarp en mode virtuel. Meltan. Je suis pas dans le cadre, désolé. Evoli. Pikachu. Carapuce. Nous avons en commune reverse Kenotor. Et on termine avec une simple rare holographique de Loclass. Donc, apparemment, soit j'ai quelque chose d'extraordinaire dans ce booster, ou soit j'ai rien du tout. Parce que, comme je vous dis, on est obligé d'avoir une carte holographique à la fin. Sur le code 1, 2, 3 et 4 avec une énergie plante, non, énergie obscure, énergie obscure, capitaine d'équipe Spark, Migalos, capitaine d'équipe blanche, Onyx, Castorno, Ramolos. Kenotor, nous avons Magikarp, nous avons en carte rare Holo Reverse de Florizarre, et on termine avec encore une rare holographique de Samurai. Ok, bon ben j'ai pas eu de chance dans ce coffret. J'ai choisi le très très mauvais coffret. Que déjà que des holos et avoir une holo en double au lieu d'avoir une quatrième holo différente genre Florizarre. Donc voilà la pioche.
la pioche de ce coffret. Sur ce, les amis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. J'essaierai de me procurer deux nouveaux items Pokémon Go, que ce soit en anglais ou en français. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye.